Alors, Guillaume Lagnel pour... Parfait. Ok, on se bat. Sur l'arrière, c'est sur le palier. Allez, 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 Ok, alors Guillaume Lagnel pour Trial Vidéo. Bah, déjà, on te remercie de nous accorder cette petite interview. Alors, tu peux nous expliquer un peu la journée aujourd'hui, ce qui s'est passé. Et puis, j'ai cru savoir, j'ai cru apprendre qu'on voulait te déclasser. Alors, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, c'était une journée très dure physiquement pour moi. Je reviens du Japon avec le décalage horaire et tout ça. J'étais un peu malade toute la semaine, j'avais mal au ventre. C'était pas terrible. Là, j'ai eu beaucoup de soucis avec les bras. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai eu pas mal de crampes. Je m'en suis pas trop mal sorti au final. Mais c'était une très belle journée pour moi. Des zones très intéressantes, techniques, du gros. Ouais. De très 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 belles zones. D'ailleurs, je remercie tous les organisateurs, je remercie également tous mes sponsors. Et par rapport à ce litige, donc en fait, il s'est passé que j'ai touché un peu une flèche et il se trouve que, on veut me déclasser. Ce que je trouve pas normal parce que justement, j'ai vu beaucoup de pilotes passer sur les flèches. Justement, on leur a rien dit, donc on va dire que c'est la dure loi du trial, hein. Il y a toujours un peu des irrégularités dans tout le monde, dans tous les passages. Voilà. Au niveau mondial, t'as fait quoi exactement au Japon? Au niveau mondial, pour l'instant, je suis 7e en général. Au Japon, okay. Je fais... C'est en junior, donc. Voilà. Ouais. Au Japon, je fais 8e et 6e, 6e et 8e. Ce qui est décevant pour moi, je partais pour faire podium à chaque coup, mais petite baisse de morale. Je vais essayer de me motiver, de me remettre dedans et d'être présent sur toutes les dernières épreuves. Ok, bah écoute, en ce qui nous concerne, on a fait...